L'exposition s'appelle A Different Way to Move, Minimalisme, New York 1960-1980. C'est une période de l'histoire de l'art qui connaît vraiment une grande agitation, en particulier dans le milieu new-yorkais, à partir de l'idée de l'abstraction, qui évolue de l'idée d'une abstraction gestuelle, hein, où l'ego, la subjectivité de l'artiste est très présente, vers un style qu'on appelle froid, un style qu'on appelle cool en anglais, dans lequel au contraire on a l'impression que la personnalité de l'artiste est complètement en retrait et se borne à assembler de façon sérielle des matériaux, de façon très, très rationnelle. Donc là, ce qu'il a écrit ici, c'est le type de couche, de geste qu'on fait en fait pour chaque couche. Donc le W, c'est quelque chose qui est frotté comme ça. Et le B, c'est boum boum. Alors c'est pour ça qu'on a parlé de minimalisme, parce qu'il y a vraiment l'idée de réduire le geste, hein, d'aller vraiment à la forme la plus sobre, la plus impersonnelle possible. Et ce qui m'a intéressé dans ce mouvement, c'est que justement c'est un moment où toutes les formes d'art convergent, c'est-à-dire non seulement les arts plastiques, mais aussi la danse, la musique, la performance, mais aussi le rapport au texte, à la littérature, à l'écriture. Et c'est cette rencontre finalement des arts de l'espace et des arts du temps qu'on veut montrer dans cette exposition. Le parcours de l'exposition en fait va témoigner de ce va-et-vient, de ce dialogue constant entre notamment la danse et les arts visuels. Le parcours est conçu vraiment comme une alternance de focus entre d'un côté la manière dont les danseurs en fait ont été précurseurs de cette idée du minimalisme, en concevant des structures qui étaient faites comme des accessoires pour les danseurs, pour occuper l'espace d'une manière différente. Et puis des grandes figures que l'on connaît de l'histoire de l'art des années 60, comme Richard Serra, Carl André, Robert Morris, qui sont, disons, un peu les jalons du minimalisme dans les arts visuels. Donc on a vraiment ce jeu d'alternance pour inviter le public justement à voir cette histoire différemment, comme une rencontre entre les arts. Si on essaie de penser aux noms les plus connus dans l'histoire du minimalisme, si on est dans l'histoire de l'art, on pense à Richard Serra, à Robert Morris, Donald Judd, Dan Flavin ou encore Sol LeWitt, bien que la plupart d'entre eux en fait ne se reconnaissaient pas dans ce mot. Le mot minimalisme a été beaucoup critiqué parce que chacun de ces artistes estimait qu'il avait une démarche très spécifique, qui ne pouvait pas rentrer dans une case commune, sous un isme. Le principe des ismes était beaucoup critiqué. Mais de mon point de vue, les chorégraphes ont une importance aussi cardinale, et notamment je vais citer Yvonne Reiner, qui est l'auteur de la citation qui fait le titre de l'exposition, donc A Different Way to Move. C'est tiré d'un texte d'Yvonne Reiner où elle considère qu'il faut entièrement repenser la manière de se comporter dans l'espace, la manière d'évoluer, de bouger, le rapport vraiment au mouvement et à l'énergie, à la notion d'énergie. Donc Yvonne Reiner, mais aussi Simone Forti, Trisha Brown, hein, ce sont des noms qu'on commence à connaître, Lucinda Childs maintenant, mais qui méritent vraiment d'être réinscrits dans cette histoire de l'art. L'exposition. Le Centre Pompidou fête ses 40 ans cette année et donc a prévu une quarantaine d'expositions sur le territoire. Certaines sont réalisées à l'initiative de centres d'art, de musées en région. Donc nous les accueillons avec des demandes de prêts qui permettent vraiment de faire voyager les œuvres du centre. D'autres sont faites à l'initiative de commissaires, de conservateurs du Centre Pompidou, c'est le cas de celle du Carré d'Art. Et je pense que chaque projet a sa singularité, et ce qui est vraiment très réjouissant, c'est de voir comment des œuvres qui ne sont jamais sorties du Centre Pompidou sont montrées à cette occasion.
Et elles viennent aussi d'autres musées en région, à l'étranger, ainsi que de centres d'archives qui s'intéressent vraiment à la danse et à sa préservation. Je pense notamment au centre de la danse de Pantin, mais aussi des archives de Trisha Brown aux États-Unis ou d'Yvonne Reiner, qui nous permettent de réunir pour la première fois des ensembles inédits d'archives de chorégraphes. Le défi en fait des expositions qui s'intéressent à la danse aujourd'hui, c'est comment représenter effectivement la danse dans un espace qui est un espace statique ou qui normalement qui a été conçu pour accueillir des objets. C'est un sujet en fait qui occupe les musées depuis un certain temps maintenant, donc il y a eu déjà beaucoup d'expériences menées dans ce domaine. Et à nouveau ici, le parti pris, c'est vraiment de mélanger un petit peu les choses, c'est-à-dire de ne pas faire uniquement une exposition de danse qui se limiterait à des documents et de temps en temps activée par des performances, ne pas se limiter à l'exposition d'art plastique, mais essayer vraiment d'entrelacer les deux. C'est un véritable pari et je pense que ça apportera quelque chose de nouveau dans la pratique de l'exposition. C'est vrai que les musées, depuis le début, disons, des musées publics, hein, à la fin du XVIIIe siècle, ont été vraiment pensés pour le système des beaux-arts, c'est-à-dire vraiment la hiérarchie hein, entre tout ce qui est beaux-arts et puis que ce soit les formes d'expression populaire ou d'autres disciplines précisément. Et je crois qu'aujourd'hui, précisément, la nouvelle architecture muséale, mais c'est déjà le cas au Carré d'Art de Nîmes, se pense pour accueillir une pluralité. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant d'expérimenter avec ça aujourd'hui. Concernant donc les œuvres de danse, le pari c'est comment les faire exister dans un espace, comment les faire exister sous une forme vivante, puisque on est toujours dans cette difficulté à nouveau du rapport avec une archive hein, qui ne dit pas grand-chose en tant que telle. Le parti donc a été d'intégrer des performances tout au long de l'exposition, dans l'espace, le parcours lui-même du visiteur, avec des étudiants donc du master Exerce de Montpellier qui viendront réaliser des Dance Constructions de Simone Forti et ce sera je pense une bonne manière de transmettre le contenu, l'esprit artistique de ces pièces que de voir ces œuvres réinterprétées par des jeunes générations. Je trouve que ces pièces que les jeunes trouvent ces pièces intéressantes encore parce que cette pièce vient du 1961 alors c'est une autre époque, c'est une autre époque. Mais je trouve que pour ces jeunes, c'est encore fraîche, c'est encore intéressant. Alors, je dirais que ce qui est intéressant dans les années 60, c'est que s'amorce justement une fusion complète des disciplines. C'est vraiment un moment inédit, c'est-à-dire qu'au début du XXe siècle, on parle encore de collaboration artistique. C'est-à-dire, effectivement, ce sont des artistes qui conversent et qui décident, par exemple, un peintre de faire un décor de théâtre ou un musicien de composer pour un cinéaste, etc. Dans les années 60, on assiste vraiment à des phénomènes de groupe qui font qu'on est dans une fusion totale. Et c'est de là, je dirais que naît vraiment tout ce qui se passe aujourd'hui. L'importance de la performance, par exemple, dans l'art d'aujourd'hui, vient vraiment des années 60. L'importance du film et de la vidéo dans l'art d'aujourd'hui viennent des années 60 aussi. Voilà.